Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de, des championnats de France, cette fois course en ligne 2023 pour l'élite homme. Donc euh, un beau parcours pour euh, ces championnats de, de France entre Halsbrook et euh, Kassel. Donc ça sera surtout euh, des boucles qui seront réalisées par les coureurs, euh, la boucle en bleu et la boucle en jaune. Donc euh, vous l'avez compris, ça sera des circuits euh, qui seront euh, présents pour, euh, pour les coureurs. Euh, le départ sera donné à Asbrook, donc... Toute la, la piste bleue, et ensuite ça sera une succession de boucles sur un circuit où les euh, spectateurs pourront se régaler. On va regarder un petit peu euh, le détail de ces championnats de France. Championnat de France très vallonné. Euh, ça sera certainement un puncher qui s'imposera. Vallonné, mais les côtes ne font que 150 mètres au max d'altitude. Ça montre que voilà, le profil est très zoomé, mais c'est pas des côtes impressionnantes non plus. Hein. C'est des côtes peut-être de 1-1 km, voire un peu moins. Donc euh, faut pas non plus euh, croire que c'est incroyable. Donc voilà, mais ça sera certainement pour un puncher normalement on va regarder un petit peu les coureurs engagés pour cette édition euh... alors comment ça se fait qu'on en a deux côte à côte ok d'accord je vois le principe alors qui succédera à florian sénéchal euh, champion de france euh, en 2022 devant turgis et zingle et eh ben il sera là pour défendre son titre euh, en 2021 c'était cavagna avant Démarre, Barguil, Roux. Voilà. Euh, Demar qu'il avait été plusieurs fois un hein, champion de France, trois fois déjà. Euh, il sera encore là. Donc Sénéchal, Philippe, qui n'a jamais été champion de France. Hein. Julien en champion de France, ça c'est incroyable. Hein. En plus, après son titre de euh, champion du monde, ça ferait encore un maillot distinctif pour Julien dans sa carrière. Cavagna, il, pourrait essayer, il pourra retirer son exploit, tout comme Barguil. Euh, parmi les coureurs euh, les plus connus, Nasser serboigny pour le sprint. Anthony Delaplace, Le Normand, Guarnalec. Euh, ok, on a qui d'autre Kevin Vauclin, Benoît Cosnefroy Qui a une bonne pointe de vitesse euh, Franck Bonamour, ok, Michael Chérel Le normand également, Valentin paré Aurélien paré les deux frères qui sont là Qui sont plutôt en forme cette saison euh, Marc Sarro, le bon rouleur euh, Qui est arrivé dans les rangs de Marc Sarro. ah j'ai deux airs Citroën Je crois qu'il était chez FDJ avant, ok euh, Ok, Bruno Amirail Qui fera à la fois le contrôle à montée Et la course en ligne, il y en a qui font le doublé C'est le jeudi et le dimanche, donc pas beaucoup de pause nous avons le Tour de France, Arnaud démarre sera bien là, David Gaudu sera également là. Olivier Legac, Valentin Madoise, Lenny Martinez qui a, mon... qui a gagné le, monde édivé... le Mont Ventoux dénivelé Challenge. Rudy Mollard, Quentin Paché, ok. Thibaut Pinault qui sera là. Il l'a annoncé normalement retraite à la fin de saison, sauf si les champions de France, il poursuivrait d'un an. Ça serait à souhaiter pour Thibaut qui pourrait se régaler sur ce type de parcours. Pierre Latour sera là. Il va faire le doublé aussi contre la et course en ligne. Anthony Turgis qui est une bonne pointe de vitesse. Romain Combeau, ok. Kenny Elisson, Julien Bernard, Tony Galopin, qui a toujours frôlé hein, ce titre de champion de France. Tony Galopin. Euh, en 2016 deuxième, en 2015 deuxième, euh, en 2013 troisième. Euh, voilà, il est pu dans ses meilleures années mais euh, pourquoi pas pourquoi pas pour euh, pour ce coureur là Calme Jeanne sera là, il y a qui d'autre Il y a Thomas Bouda, ok. Euh, ok, ok. Il y a des coureurs moins connus aussi, mais c'est l'occasion de, de se faire connaître. Il y aura 144 coureurs. Hein. Je vous l'avais pas spécifié au départ de cette course. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour un championnat national. Il y a du monde, il y a des courants en France. Euh, voilà, là il y a une série de moins connus. Benjamin Thomas, ok, pour la co Anthony Pérez, Pierre-Luc Perrichon, Alexis Renard, Brian Cocker, euh, Guillaume Martin, Alexis Vulhermoz. Voilà, certains ne feront... Pas le choix de faire ces championnats de France. Euh, si je dis pas de bêtises, Romain Bardet pour la DSM sera pas là. Voilà, il y, y a des absents quand même, euh, de taille, il faut le dire. Mais, euh, mais voilà, tout le monde ne choisit pas de, de faire ces championnats de France. Donc voilà, ça sera euh, une belle semaine de, de championnat de France, toujours trois jours de course, il y aura également les élites femmes et tout ça qui feront également euh, ces euh, championnats de France. Le 22 juin, euh, il y aura contre la monte homme, contre la montre femme. Le 24 juin, ça sera uniquement le championnat de France femmes. Et euh, ensuite, le 25 juin, championnat de France masculin, élite homme. Donc voilà, trois jours de course euh, pour se régaler avec euh, bah, une diffusion entière sur France Télévisions. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour suivre tous les résumés des de Championnats de France qui seront disponibles sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt avec la prochaine grosse échéance le Tour de France, intégral Tour de France à suivre sur la chaîne YouTube sous forme de vidéo présentation d'étapes, des coureurs, des équipes, des favoris et résumé de chacune des étapes sur la chaîne. Ciao l'équipe